La modératrice nous a dit au début. Deko, talak banda to bandi le 1er janvier. Depuis qu'on a commencé le 1er janvier. Donc on a qu'à la fin de l'année, attentat, ma gambebele, benegakati na mokili. Oyo. À la fin de l'année, il y a eu des attentats dans le monde. Mais au compte en 2016. Entré en 2013. Dans deux mois, oyo, où tu go si là. Les deux mois qui viennent de terminer. Deko. Tozo aka basango ba kufa. On apprend qu'il est une fête de mort. Ba tu bazo kufa na yete ses amis. Les gens meurent, je me pose des questions, c'est quoi? Na kuta vana kita ba benga cousin mon à Paris a kufi. Avant que je ne vienne ici, on m'a appelé, il y a un cousin qui est mort, est décédé à Paris. Tokola to mona makamu oyo ya ba paralysie ba thrombose. On a grandi, on a vu ces histoires des thromboses. Tout le monde a été. C'était pas ainsi. Azala qui malamu. Il s'est porté bien. Avec ça la paralysie. Il a fait la paralysie. Lelo na tongo babengi atiki biso. Aujourd'hui le matin on nous a appelé, il nous a quitté. C'est pas facile. C'est pas facile. Komona bandekola biso bana na biso o basali accident munene awa na région na biso. Voir nos fils qui viennent de passer un accident dur ici. Komona na bazi batu mingi batali yango na ba information. Nous l'avons suivi aux infos. Tout le monde est en paix là-bas, journaux. Même dans les journaux. Comment on a Moutouka, où est-ce qu'il y a une station wagon? Une belle voiture qui était station à wagon. Comment on a Moukien et comment la voiture est devenue très petite. Neko, où est-ce qu'il y a un mobile à Koufi sur place? Celui qui conduisait l'homme, il est mort sur place. Moi, là, on a mis ça, où est-ce qu'il y a un la jumelle, nous la connaissons ici. Il y a de temps en temps, puis avoir. De temps en temps, il vient aussi ici. Il fallait pas. Quand il fallait déchirer la voiture pour sortir la fille. Dès toujours dans l'hôpital, dans le coma. Dès que tout bon est là pour la tirer dans moi là. Prions pour cette fille. Ce qui nous a mis assez à l'ombre là, qui cache la couffe en accident bas là qui. Comme Dieu l'a déjà sorti de cet accident. Il a oublié ma peine à coma ou à ça la comprendre. Je crois qu'elle sortira aussi des comas au nom de Jésus. Dès que quand là où ils ont les canets bas bas au couffa. Voir comment les gens meurent. Dès que vous avez les mots. Ce sont des signes. Tout le monde est même dans le Brésil. Nous voyons même au Brésil. Depuis ton cola. Depuis qu'on a compris. Les moustiques nous ont piqué. Surtout nous les Africains. Les enfants nés ici, les moustiques vous piquent, mais vous n'avez pas la malaria. Pendant l'été. Mais nous en Afrique, quand on te pique par une moustique, c'est la malaria. Il y a des gens qui sont nés au Congo, en Afrique, qui naissent avec la malaria et qui grandissent avec la malaria. Mais comment on a l'élo dans le Brésil, malformation là-bas. Mais aujourd'hui, à Brésil, la moustique pique, il y a des malformations aux enfants. Si la maman a été enceinte, si elle est piquée par la moustique, cet enfant qui naîtra aura des problèmes de santé. On va fouiller au milieu. Ndeko. Frère, on dit que celui qui est loin de Jésus, c'est la mort. Celui qui est près de Jésus, c'est la mort. Moi, ce qui se passe en 2016, soyons dans les pieds de Jésus. C'est lui seul qui protège. La malaria qui est sortie jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin. Il y a des maladies dans ce monde, il n'y a pas de médecin. Aujourd'hui, c'est l'après-midi d'aujourd'hui. Là où le médecin n'arrive pas. Nous avons le médecin de médecin. Les opérations sont. Les maladies que les gens ne peuvent pas guérir. Il n'y a pas de médicaments jusqu'aujourd'hui. Tu vas dans des pharmacies, on te donne des calmants. Mais si la pharmacie, lui là, il y a une là où il y a plein de médicaments qui peuvent te donner la guérison. Il nous a donné la grâce. Au nom de Jésus, les gens sont guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ce sont les signes des derniers temps. Nous voyons les choses qui se passent dans le monde. Ayant l'intelligence, la compréhension des choses. Depuis que je suis né et grandi, voir dans les pays arabes. Quand je vois aujourd'hui, les musulmans se convertissent, ils viennent accepter Jésus-Christ. Je n'ai jamais vu ça. Ce sont des signes.
Les, beaucoup de gens c'est seulement à travers Jésus-Christ. C'est là qu'on se trouve. Il n'y a pas deux choses. On ne demande pas. Alléluia. Alléluia. Attachons-nous à Jésus. Tout ce que nous voyons, ce sont des vents. Les vents viennent avec des maladies, des accidents, des morts subites, des thromboses, des AVC. Ce sont des vents. Mais je connais qu'il y a une barque. Nous nous avons accepté qui nous amène. La destination sur le ciel. Si tu veux entrer dans cette barque, la destination sur le ciel. Mais laisse-moi t'informer. Il y aura des vents. Tout ce que nous voyons, ce sont des vents. Le monde s'élèvera contre toi. Mais les disciples étaient avec Jésus dans la barque. C'est comme toi et moi. Il y a des moments où les vents viennent en tremblant. Les disciples ont tremblé. Il se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y en est en train de se noyer? Laisse-moi t'informer cet après-midi. Nous oublions que nous sommes le roi des rois. Qui est dans la barque? Qui est dans la barque? Quand ils ont compris, ils sont allés le roi, mais il est là. Nous périssons. Il leur a dit, vous avez une petite foi. Nous aussi, beaucoup d'enfants de Dieu nous prions. Mais on a peu de foi. Nous ne savons pas être dans la barque. Jésus est dedans avec nous. Alléluia. 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 Il a crié sur le vent. Et les vents ont honte au pays. Jusqu'aujourd'hui, crie sur le vent. La maladie qui te dérange, qui dérange tes enfants, qui dérange ta famille, il nous a donné le pouvoir. Nous devons aussi prier sur la maladie au nom de Jésus. On aura la guérison. Amen. Tous à la confiance. Ayons en Jésus-Christ. Soyons sous ses pieds. Nous avons beaucoup de choses dans le monde. Nous avons grandi, tu peux trouver quelqu'un qui est sorcier dans les quartiers, il se cache. Ceux-là qui sont dans les occultes, des occultismes du diable, les églises de culte, ils cachent ça. Mais aujourd'hui, tout est dévoilé. Ils mettent des panneaux, ils montrent leur identité. Si vous entrez dans les internets, vous allez voir partout dans l'Amérique, dans l'Europe, ils construisent des temples. Ils mettent quelqu'un là qui a des cornes. Il y a d'autres personnes qui s'agenouillent devant d'autres dieux qui sont robustes là. Robustes et torse nu. Mais nous, notre Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il va protéger ta famille. Il va protéger l'église de Dieu. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous sommes les temples. Nous sommes l'église. Nous sommes l'église. Alléluia. Alléluia. Moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, il revient. Il vient prendre l'église. L'église qui vient chercher l'église. Cette église, elle est ni tache ni rire. Les signes que nous avons, ils font nous purifier, nous sanctifier, nous repentir. Toujours être dans la présence de Dieu. Que le monde pousse. 2016, au début, ce que nous voyons, les 10 mois qui restent, je me pose des questions. Mais nous qui acceptons d'être dans les pieds de Jésus, je voulais te dire, il ne faut pas construire sur les sables. Quand les vents viendront, t'emportera. Construis sur la pierre. Même les vents venaient, ne vont pas t'emporter. Nous sommes sur Jésus. Il est le chemin. Il est la vie. Oh Jésus. Alléluia.
il est bon. On acclame pour le roi de roi. Alléluia. Amen. On a été béni au mois de février. On a parlé des blessures intérieures. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. On ne savait pas qu'au mois de février, on allait avoir un message comme ça. Nous marchons avec le Saint-Esprit. Nous avons vu les blessures intérieures. Les dimanches passés ici, c'est lui qui n'a pas été guéri. Nous avons montré tout ce qui parle de blessures intérieures. Nous avons aussi vu comment avoir la guérison. Le nécessaire est qu'avant de commencer la délivrance, le pardon, c'est une exigence divine. Pardon. Si tu ne pardonnes pas ton prochain, comment tu vas te pardonner? Nous devons pardonner. C'est le commencement de la sagesse. Ça nous amènera dans le chemin de Jésus. Il a accepté d'aller à la croix pour que nous puissions passer pardon. Jésus est bon. Il nous aime. On a été béni richement. Cette bénédiction, on l'a et on l'a déjà ouvert du sang de Jésus. Cette guérison qu'on a eue, nous savons que c'est difficile. Aujourd'hui, nous sommes guéris des blessures intérieures. Aujourd'hui, même aussi, on peut encore te blesser. Mais quand tu es dans le Seigneur Jésus-Christ, Jésus te donnera la guérison. Il est le médecin par excellence. Il est le médecin par excellence. Le roi des rois. Le roi de rois. Il est un bon Dieu. Prions en Jésus. Père de gloire, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Amen. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Amen. Merci parce que tu as permis que nous soyons ici cet après-midi devant ta face, ô Père de gloire. C'est pour cela que nous te disons merci. Merci pour la présence de mon frère et ma sœur dans cet endroit, ô Père de gloire. Je viens vers toi pour laisser ce moment dans tes saintes divines, mais ô Père de gloire. Parle-nous, Saint-Esprit, toi qui parles bien, ô Père de gloire. Moi, je ne sais pas parler, ô Père de gloire. Parle-nous, ô Seigneur de gloire. Seigneur, prends la place du roi. Oh, dans cette culte, je détruis tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui fait voler la parole par le nom puissant de Jésus. Règne dans cet endroit, parce que là où toi tu règnes, il n'y a personne qui peut régner. Règne à jamais, prends le contrôle de toutes les choses, par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Mets ta main pour la Congo, la Jésus. Lélo. Donc, on a la thème, la mission et les attachement de Ruth pour Naomi. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'attachement de Ruth pour Naomi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, la Mukanda et Naomi. Mukanda et Naomi. Ruth. Mukanda et Ruth. C'est dans les livres. Alléluia. Mukanda et Ruth. Et ça, la. Quatre chapitres. Il y a quatre choses. Donc, nous avons après-midi dans les mais nous avons médité dans Mukanda et Arit, nous avons quatre chapitres. Je nous demande de méditer tous les rites, tous les chapitres des rites à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Zalaki n'a moka Bethléem. C'était dans la ville de Bethléem. Et Zalaki n'a mobali moko na komé Elimalek. Il y avait un homme qui s'appelait Elimalek. Mobali Oyo Azalaki, Mobali ya Naomi. Il était le mari de Naomi. Naomi, Babota qui bat Naomi Bali à Bibali. Naomi a eu deux enfants, avec deux garçons, avec Elimalek. Neko, Natango Wana, Nzala et Kotaki. Il y a eu faim à Bethléem. Alors, Baso qui dit qu'il y a eu Kene, Namoka ya Moab. Ils ont eu l'idée d'aller dans le pays de Moab. Neko, Babimaki, Libota, papa, maman, la balle, la baumi, balé. Ils sont sortis, la famille, papa et leurs deux fils. Bakomaki, la moka, Moab. Ils sont arrivés à Moab. Neko, Bakomaki, Kuna, Bavandaki, Basaki, Vina, Bango. Ils ont fait leur vie. Mais, na sima, ya baboula, papa, Mobali, allez, rien à Koufa. Après des années, le papa est mort, était décédé. Neko,
Naomi, ezalaki pas si pour naïe. C'était dur pour Naomi. Mais le col Azaki la bana n'est mibale. Mais comme il avait ses deux fils. Amoné quand même Azala bana quand même atika la moitié. Elle s'est dit non, j'ai deux fils quand même, j'ai une famille. Ben neko, bana oyo bayaki ko bala. Ses deux fils ont épousé de deux femmes. Baba a dit bana basi ya mboka oyo ba Moabite. Ils ont épousé dans la ville de Moab de Moab. Baba ali ba Moabite mibale. Ils ont épousé deux Moabites. Neko, si ma ya bambula. Après des années, ces deux fils sont aussi morts. Neko, Naomi, alors qui passe, moyen que ça t'arrive à passer voilà. Naomi était dans la douleur. Je ne sais pas vous expliquer cette douleur. Neko, yo, otiki mboka na yo. Tu as laissé ton pays. Okena libota na yo na mboka mopaya. Tu vas dans ta famille dans une ville étrangère. Okomi na mboka wana mobala kei. Dans cette ville lombard. Olobi ke la tika na bana na mibale. Je t'ai dit non, je reste avec mes deux fils. Bana na mibale pe bakufi. Et ces deux fils sont morts encore. Mais bana na mibale babala ki me batika ki kobota te. Ces deux fils étaient morts mais ils n'avaient pas d'enfants. Pour Naomi, famille proche d'elle, bah on a battu à tiguer la gueule moko. Elle est restée seule sans personne parce que sa famille proche est partie. Mais Naomi a tiguer la gueule na babokilo na yemi balé. Elle est restée avec ses deux belles filles. Lego, bah on a battu, bah on a mboka Bethlehem. Quand elles ont quitté Bethlehem, parce qu'elles n'ont les kotaki. Parce qu'il y avait la faim. Passé kotaki. Il y avait la difficulté. Bah yaki suko place ko ba ko sa pina bango. Elles ont maintenant cherché à rentrer là où elles devaient. Naomi a causé sa moquée. Moque la bango moi crise et siri ma kabeko miko bonga. Naomi venait d'apprendre la nouvelle que dans sa ville là-bas il y avait plus faim. Tout commençait à s'arranger. A décidé qu'il faut zonga na Bethlehem. Elle s'est décidée à rentrer à Bethlehem. Tant qu'elle décide à zonga, il fallait zonga na babokilo na yemi balé. Elle devait, comme elle devait rentrer, elle devait rentrer avec ses deux belles filles. Mais à un moment là, elle l'a vu. Alobi. Bino Bozan ba jeune femme. Elle s'est dit vous êtes encore trop jeune. Donc Bozan la vie devant Bino. Vous avez encore de vie devant. C'est mieux botika la Bino na mboka na Bino qui n'est pas ba boti na Bino. C'est mieux de rentrer chez vos parents dans votre ville. Parce que naïne na zali boye. Quand moi je suis là. Soki na memi Bino. Si je vous amène avec moi. Mukolo nini o ngana kozwa mubali pona bota bana. Quel jour je vois encore un homme pour avoir mes enfants? Bon, bana wana ba kola mukoloni pour la paix sa baba la bino. Et ces enfants vont grandir quand pour que je vous donne pour qu'ils vous épousent. C'est mieux bon zonga et pas babo si la bino. Rentrer chez vos parents c'est une bonne chose. Neko, babo kilo na yo mi balé. Les deux belles filles. Moko aki na kombo ya Orpa. Une s'appelait Orpa. Mususu auto bengi na kombo ya Ruth. Amen. Neko, balé la ki. Elles ont pleuré. Balela qui? Elles ont pleuré. Balela qui? Elles ont pleuré. Mais Naomi, elle n'a pas la nini pour la bino. Madame Bozonga. Naomi a dit non, je ne peux rien faire pour vous rentrer chez vous. Mais Orpa t'as qui? Orpa, regardez. Ayeba Naomi. Elle s'est approchée de Naomi. Embrassée. Elle l'a embrassée. Alobi accueilli. Elle a dit ma belle-mère, je pars. Mais Rit Alobi boye. Rit s'est dit. Alobi ngai na koti kayo te. Rit dit moi je t'abandonne pas. Je m'attacherai à toi. Je m'attacherai à toi. Je t'abandonnerai pas. Là où tu dormiras, je dormirai. La ville que tu iras, j'y irai aussi. Peuple na yo comme un peuple na. Ton peuple sera mon peuple. Elle a touché quelque chose de nécessaire. Ton Dieu sera mon Dieu. Quand il a touché Dieu, il a touché autre chose. Parce que quand Naomi leur demandait de rentrer dans leur ville, qu'elle rentre dans leur ville. Donc elle leur disait, allez chez vos dieux. Avec des minuscules. Et le Dieu dans la Bible nous a écrit là, c'est avec des minuscules. Mais quand Rita parlait de Naomi que je vais seulement te suivre, ton Dieu sera mon Dieu. Et ce Dieu là, on l'a écrit en des majuscules. Amen. Parce que c'était le Dieu d'Israël. C'est le Dieu que nous adorons aujourd'hui. Alléluia. 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 Amen. Neko. Frère. Comment on a Rit? Vois Rit. Rit Azali Moabite. C'est une Moabite. A Botami a Koli na Moab. Elle est née, grandie à Moab. Neko. Koyo Baka Komo ya Moab. Écoutez, c'est quoi les noms de Moab? Moab.
C'est un nom difficile. Parce que Moab, si vous connaissez l'histoire de Lot et ses enfants, parce que bana ya Lot, basala ki inceste na papa na bango. Les enfants de Lot ont fait l'inceste avec leur papa. Baboti bana ya mobali pour qui deux filles. Ils ont eu deux garçons. Ouais. Moko garçon, moko garçon, moko. Dans les deux ont eu un garçon, deux fils. Na papa na bango. Avec leur papa. Balamu sakie masanga. Ils l'ont livré. Ndeko. Babota ki moi na moko la komba Moab. Ils ont eu un enfant au nom de Moab. Moko la belle amie. Et l'autre c'était Ben-Ami. Yamona tomoni mboka owana ya Moab ezali par centre ya yeseste oyo utake pa l'autre. Dans la ville de Moab c'est la ville de l'inceste de Moab. Ezaki ba obenga ba Moabite. Ce sont les Moabites. Là ba monite. Et les monites. Ba monite baza ba descendant ya Ben-Ami. Donc les Monites sont les descendants de Ben-Ami. Bah, Moabite, bah, ça, bah, descendants de Moab. Les Moabites sont les descendants de Moab. Bah, ça, bah, nao, bah, bimi, l'inceste. Ce sont les enfants sortis de l'inceste. Neko, comment on arrive à outil na bakoko et bakoko ba outil l'inceste? Donc voir Ruth, donc elle vient de grand-père des ancêtres venus de l'inceste. Neko, moka o ya bah, Moab. Les Moab. Bah, ça, là, Israël. Ils combattaient Israël. Israël. Ils ont combattu Israël à un point quoi, que tu n'as pas dit. Mais le roi, à ce moment-là, quand il s'est prosterné devant le faux Dieu, Dieu avec deux minuscules. C'est pourquoi on l'a écrit avec deux minuscules. Mais quand il s'est combattu, le roi a fait le sacrifice. Il a pris son nom. C'était sa descendance. Il était prince si le roi n'est pas la descendance de le remplacer. Il l'a sacrifié. Il sacrifiait leur aîné. Si nous rentrons dans l'histoire, vous allez voir les enfants d'Israël en Égypte. Dieu les a frappé les Égyptiens avec les 10 plaies. Et l'autre plaie, c'était qu'il a tué tout le premier-né. Israël m'a dit sauvé parce qu'il fallait pas bomania, ma base, ma kiba, pas pour la bacade. Les enfants d'Israël étaient sauvés parce qu'ils ont tué un agneau et ils ont mis les sangs sur le corps. Quand la mort passera, il verra le sang et passera. Mais Zambé a bêta qui bat l'Égypte. Il a frappé les fils de Pharaon. Depuis Pharaon jusqu'en bas. Les premiers nés, c'est un symbole. Même nous, quand nous grandissons, si vous avez un aîné, un garçon, c'est lui qui commande, c'est lui l'héritier. Même si papa a couffé, au moins, il a tigali pour gérer la famille. Ni papa décédé, c'est lui qui gérait la famille. Mais eux, ils ont sacrifié leurs aînés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Neko, Ruth a outi ta descendance. Regardez la descendance de Ruth. Mais Ruth, tant qu'elle parlait à Naomi, Ruth quand elle parlait à Naomi, elle lui dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu dormiras, je dormirai. Ruth a essayé de renoncer. Ruth renoncer. Parce que Ruth, en tant que Moabite, sera que dans Israël, si elle va en Israël, à qui qu'on fait dans Bethléem, elle va habiter à Bethléem. Elle déjà na attend que Moabit n'a pas la épouse. Elle se disait attend que Moabit qui va m'épouser. Normalement on ne peut pas l'épouser là-bas. Donc n'a ça que elle déjà à ça qu'on s'est renoncé la libale. Déjà elle s'est renoncée au mariage. À ça qu'on s'est renoncé la bana. Elle s'est renoncée aux enfants. Parce qu'elle va pas t'en. Elle va coucher. Elle a renoncé la nationalité là. Elle s'est renoncée à sa nationalité de Moabit. A renoncé parce que tout son total est déjà moins sécurité financière sociale. Elle a renoncé à la sécurité sociale financière dans leur ville. Deco, à ça qu'on renoncé la nyoso. Elle renonçait à tout. Mais tant qu'il y a sur le paquet. Quand elle disait ton Dieu sera mon Dieu, elle faisait directement l'alliance avec le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ils ont pris le chemin, ils partaient. Les deux femmes, bazokende. Les deux femmes partaient. Bethléem. Ils sont arrivés à Bethléem. Tant bakomi. Arrivés là-bas. Les gens de la ville ont vu Naomi, ça fait longtemps. Ils ont reconnu Naomi. Naomi. Naomi refusa qu'on puisse l'appeler Naomi. Elle a dit ne m'appelle pas Naomi. Kombo oya Naomi ezalaki tango o nga nazalaki na vie heureuse. Le nom de Naomi c'est quand j'étais heureuse. Mais lelo oyo na koma moto na mawa. Aujourd'hui je deviens une femme de tristesse. Na perdre o tout ce qui a motuya pour moi. J'ai perdu tout ce qui était important pour moi. Sanga zui o ezalaki a motuya pour nga. J'ai appris la chose importante pour moi. Yango ko benga nga na kombo ya Mara. Appelez-moi Mara. Ndeko Mara ezalaki eza communauté ya mawa ya pasi. Mara c'est la tristesse, l'amertume, la souffrance. On nous a parlé des blessures intérieures, on a donné les noms de choses que les gens appellent des blessures intérieures. Il y a aussi des noms des blessures intérieures. Il y a d'autres personnes qui appellent Mampasi. Mampasi. Akufa lobi. Il meurt demain. Et ça, là-bas, la moussoupe, pour apporter à qui prématuré, la personne comme Machombe. Un enfant peu maturant l'appelle Machobe. Oh, devant les gens, c'est honteux de dire ce nom devant les gens. Il y a aussi des noms qui apportent des blessures. Il y a aussi des villages. Il y a aussi des tribus, il y a des noms de tribus. Quand on parle des Moabites, on voit déjà l'inceste là-bas. Nous aussi, tant qu'on grandissait, il y avait des tribus. Nous-mêmes, nous avons créé ça. Si on te pose la question, tu es de quelle tribu, tu ne sais pas. Tu as un peu honte. Tu as autant d'échanges. Ça devient une blessure intérieure. Pour le nom. Et tu vois des gens qui se chamaillent. Ils ne connaissent pas ce que tu dis. Ils t'insultent avec le nom de cette tribu. Le nom de cette tribu-là devient une insulte. Ce sont les hommes qui ont créé ça. Et ça a aussi créé des blessures intérieures. Tu vas à l'école, au travail. On te demande de quelle tribu tu ne sais pas dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. T'as la place ma Moabite, place ma Houthi. Regardez d'où vient le Moabite. T'as la place Rite à Houthi. Regardez d'où vient le Rite. Mais Rite, t'as la zone renoncée dans le. Mais Rite, quand elle renonçait à Houthi. Azo, quand elle a plein de Zambé. Elle entrait dans le plan de Dieu. Alléluia. Quand nous renonçons à tout. Zambé, on n'a pas besoin de changer de mission. Dieu aussi nous change. Alléluia. Rite, Azali, femme, il y a destinée. Ruth était une femme de destinée. Frère, dans la destinée, regardez sa destinée. Alléluia. Amen. Il fallait à renoncer. Elle devait d'abord renoncer. En part. Quand on lui a demandé de partir, elle est partie. Elle a trouvé que la position qu'elle était dans sa vie. Aujourd'hui, dans la vie courante, il y a beaucoup de repas. On est attaché au monde. Nous trouvons que c'est normal. Si on te demande d'abandonner, tu ne veux pas abandonner parce que tu trouves que c'est normal. Mais il faut pas pour renoncer. Pour renoncer. Comme Ruth a renoncé. Si tu acceptes de renoncer, tu n'as pas. Nous sommes dans les mondes. Nous sommes dans les mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Les choses qui nous amènent dans le monde, dans ces mondes. Parce que nous sommes attachés plus au monde qui nous donne et les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais nous devons de renoncer. Rite a renoncé. Rite a renoncé. Il entre maintenant dans le plan de Dieu. Alléluia. Rite arrive à Bethléem. À l'époque, les Israélites qui ont pour s'occuper de la base. À l'époque, c'était que les hommes travaillaient pour s'occuper des femmes. Rite a pris un risque pour être toujours avec sa belle-mère. Qui va s'occuper de mes femmes? Rite s'est dit, moi je vais maintenant m'occuper de ma belle-mère. À ce moment-là, Rite
Ruth n'était plus belle-mère. Donc Ruth n'était plus belle-fille. Elle était devenue maintenant la fille vraiment de Naomi. Un matin, Ruth a attaqué à Naomi. La période qui sont arrivées à Bethléem, c'était la période de moisson. Naomi, tellement Azaki humble. Tellement qu'elle était humble. Azaki aussi. Elle était puissante. Azaki Nzela na Naomi. Elle demande la permission à sa maman. Naomi, na koyi ko kende, na kende ata la bilanga moko, na kende ko loko tabi loko. Est-ce que je peux aller dans un de champ pour aller glaner? Nego, to tanga verset oyo. Nous allons lire le verset. Lévitique. Lévitique. Lévitique 23 22. J'ai lu au nom de Jésus, Lévitique 23, 22, la Bible dit, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans les moissonner, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. » Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Nego, Tala. Ça, ce sont les commandements que Dieu donnait, les lois que Dieu donnait. Quand vous avez des champs, quand vous glanez, les choses qui restent, qui tombent, faut pas le ramasser. Laissez-les pour le pauvre et les étrangers. C'est pourquoi Ruth a dit à Naomi, va dans le champ aller glaner. Ruth a demandé à Naomi permission pour aller glaner. Ruth a demandé la permission à Naomi pour aller glaner. Ruth a demandé à Naomi. Quand elle est partie comme ça. Elle est arrivée dans un champ. Elle est arrivée très tôt, elle a trouvé les gens qui cueillent les produits. Elle était là, les enfants en train de cueillir. Quand ils glanaient, ils cueillaient. Elle aussi, elle était derrière pour récupérer ce qui tombait. Après quelques temps, les propriétaires du champ est venu. Les propriétaires, c'était un riche. Il s'appelait Boaz. Frère, l'histoire commence à changer. Elle est entrée dans le plan de Dieu. Dieu est bon. Naomi a banni ko lokota. Naomi a commencé à ramasser. Ruth a commencé à ramasser. Comme mi balezo kende. Matata. Ruth a banni ko lokota. Ruth commençait à glaner. Tamo. Boaz a komaki. Boaz arrivait. Oh, atuni bato yo bazalaki na bazalaki kosala musala. Il posa la question aux gens qui étaient en train de travailler. Amona une jeune femme mokuna. J'ai vu une jeune femme là. Babite, jeune femme oyo. Ils ont dit, non, la jeune femme que tu as vue, c'est une Moabite. Elle est venue avec Naomi. Et ils ont donné un bon témoignage pour elle. Alors Boaz va pousser la place Ruth à Zalaki. Boaz s'est approché près de Ruth. Et il commence à lui parler. Il lui dit, on parlait dans d'autres champs. On venait vraiment ici prendre regarder ici. Regardez la grâce. Nous aujourd'hui, c'est quoi dans un champ de chasse qu'on te voit. Faut prendre ces versets. On va leur montrer ces versets. Alléluia. Amen. Ah oui. Nous aussi, on a travaillé dans des champs, il y a des choses qui pourrissent. Ça se trouve dans la Bible. Aujourd'hui, dans des supermarchés, ils prennent la nourriture, ils jettent dans des poubelles. Mais ces choses sont encore bien. Les gens manquent à manger. On a vu même des étudiants faire des associations pour aller fouiller des poubelles. Ils refusent que les gens le mangent. C'est Dieu qui a dit ça. Alors,
Il a dit à Ruth, ne va pas ailleurs. Quand tu es là, si tu as besoin de l'eau, regarde la crise là, tu peux aussi aller voir. Il y a eu le moment où les servantes amènent à manger. Il dit à Ruth, viens aussi manger avec nous. Alléluia. Alléluia. Frère. Ruth a quitté la macolo ya Boaz pour que Seigneur ait ma merci. Ruth s'est humiliée dans le pied de Boaz qui lui demandait. Azon ni maté propriétaire riche mais t'as rien à s'acheter. Elle n'acceptait pas comment ses propriétaires ses riches se sentaient envers moi. Azon maté ça continue la plan Zambi. Elle savait pas qu'elle entrait déjà dans les plans de Dieu. Alléluia. 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 Oh. Alléluia. Yesu. Nego. Le soir, Ruth est rentrée chez elle à la maison. Elle commençait à relater à Naomi sa belle-mère. Comment s'était passée la journée? Elle louait Boaz comment il était gentil envers elle. Naomi a dit Boaz wana zali famille à mobali nanga. Elle dit mais Boaz là que tu as vu là, c'est la famille de mon mari. Si nous suivons les coutumes, hein, normalement il faut prendre soin de biso. Normalement il doit prendre soin de nous. Il doit s'occuper de nous deux. Frère. Regardez comment l'histoire commence à changer. Alléluia. Tu étais dans la tribu où les gens n'aiment pas parler, les gens se moquent avec. Qui vient de l'inceste. Si tu te sépares de quelque chose, tu renonces. Tu entres dans la famille de Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a accepté le Dieu de Naomi. Le Dieu d'Israël. Le Dieu vivant. Le Dieu tout puissant vivant. C'est lui que nous adorons tout le temps ici. Alléluia. Amen. Amen. L'histoire change. L'histoire change. Naomi change. Naomi a évoqué ça. Ruth. Naomi dit à Ruth. Alobi. Il lui dit. Neyezawana. Il y a un moment, Boaz travaille avec ses serviteurs. Habite-toi bien, waouh. Yo bimela Boaz. Tu sors devant Boaz. Nego. Frère. Naomi place à Zaraki. Naomi là où elle était. A pessi ma canisse pas Ruth. Elle donne des pieds à Ruth. Mais Ruth y est mouratali. Ruth regarde. Talanga y mouhabite. Elle s'est dit, moi je suis moins bien. Boaz. Patron riche, moi. Boaz est un riche. Patron. Je vais commencer par moi. Si tu le vois, tu lui dis qu'il t'épouse. Nego. Frère. Ça devient un peu dur. Ruth s'est dit comment je vais commencer. Mais Ruth a calculé. Ruth a calculé et elle a réfléchi. Alors, elle s'est dit, c'est le seul chemin où moi et moi, ma belle-mère, pouvons quitter. Parce que cette Boaz, Boaz a de l'argent. Il va s'occuper de bien. Il va bien s'occuper de nous. Tout est à la chance. Bon, on essaie. Neko. Frère. Ruth a salaki la même où Naomi a l'obac. Elle a fait la chose que Naomi lui a demandé. Elle s'est cachée, elle a vu comment il travaillait. Elle a attendu son moment et elle est allée devant Boaz. Elle a fait ce que Naomi lui a demandé. Boaz a balayé. Elle a demandé aussi à Boaz de l'épouser. Mais Boaz a dit à Naomi, normalement, n'a pas couti, et ça n'a pas gravité. Donc Boaz lui dit, normalement, dans la coutume, c'est pas grave. Mais si on a parenté, mais il y a un parenté qui est encore là. Donc, il faut le soulever là, tu dois d'abord parler avec ses parents. Si ils s'attendent bien là, ça peut aller. Neko. Frère. Boaz a soulevé qui n'a pas tout bancé, batamboka. Boaz a parlé avec les anciens. Neko. Et où mais la vitesse m'a commencé à me mélanger. Les choses de Dieu ne traînent pas. Les gens qui ont attendu mon pied. Ça a pris peu de temps. Na Ruth, Baba na qui n'a Boaz. Ruth s'est mariée avec Boaz. Neko. Boaz a soulevé qui. Boaz avait acheté les biens du mari de Naomi et de ses enfants. Donc, et ça là qui que Naomi oya a commis mal à porter passi
Naomi qui s'est nommée, qui s'est renommée au nom de Mara, qui est la souffrance et la douleur. Naomi est et la joie est rentrée dans son cœur. Parce que a eu une famille. Elle a eu une famille. Parce que Ruth a commencé moi là. Ruth était devenue sa fille. Quand a Bali, mon Bali. Quand elle a épousé. Et puis on que Maramoko yepe. Naomi a pris la position, mon voyage bien. Et ça montre que Naomi directement a commencé à se faire. Les gens du village étaient contents de Naomi. Naomi a eu liberté, a eu famille. Ils ont dit Naomi a eu la famille. Dego. Dieu est bon. Dieu peut te ramasser quelque part. Dieu peut te ramasser quelque part. Il peut t'amener dans un niveau où les gens de ce monde ne peuvent pas t'amener. Quel épreuve peut épouser une Moabite? Regardez l'histoire. Regarde les dieux de multisystèmes qui changent les choses. Ah, ça dit que. Mutu o azalaki tobe na semba biloko ta ndeto bara haleluya. Il a fait qu'il a personne qui ramassait à manger. Ouais, qui semba biloko. C'est lui qui ramassait. A comme patronne. Elle devient patronne. A comme moisi ya mokonzi. Elle devient la femme du roi. A comme moisi ya riche. Elle devient la femme du riche. Hey, receveur comme chauffeur. Le receveur qui devient chauffeur. Hey, o azalaki caporal comme général. Le caporal devient général. Notre Dieu a dit. Il peut changer. Là où les gens se moquaient. Les gens qui se moquaient de toi t'acclameront. Tu rentres dans le plan de Dieu. Renoncer aux choses du monde. Quand Naomi a demandé à Ruth de mettre les bons habits. Aujourd'hui, quand tu dis à nos filles, tu vas rencontrer un homme riche, habille-toi bien. Les habits sexy. Tu vas voir ta fille qui s'habille en habits sexy. Mais est-ce que bizarrement avec la bise sexy là, quand tu arrives, ça peut te faire manquer le moment. Quand elle va te, il va te regarder, non. Il faut s'habiller décemment. Tu t'habilles bien. C'est lui qui n'avait pas de valeur. Dieu lui a donné la valeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Ruth a l'air qui malam. Ruth s'est bien habillée. A tout petit peu mon thème à Boaz. Elle a aussi touché le cœur de Boaz. Nego. Oh Azala qui. Moabite. Celle qui était Moabite. Oh Yakenda qui colorota bilogo peut ramasser ma reste la bilama. Celle qui ramassait les restes dans le champ. Colombia comme une patronne. Elle devient patronne. Nego. Histoire de Ruth et Sukiwana Tse. L'histoire de Ruth ne s'est pas arrêtée là. Ruth. Ruth a eu un enfant, un fils. Boaz. Avec Boaz. Cet enfant, on l'appelle au nom de Obed. Obed Azanan. Obed c'est qui? Obed Azali, papa ya Isaï. Obed c'est le papa d'Isaï. Dieu, quand il a envoyé son serviteur Samuel, il lui a dit, va oindre. Il lui a envoyé dans la maison d'Isaïe. Dans la histoire. Regardez l'histoire. Ruth. Qui était Moabite. Naomi, ton peuple sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Directement, il est entré dans la lignée des peuples d'Hébreux. Dans la ya Ruth. Au chemin de Ruth. Obed a bimi. Obed est sorti. Obed a bâti. Isaï. Obed a accouché Isaï. Maramoko Ruth a commis. Grande mère ya Isaï. Et Ruth est devenue la grand-mère d'Isaï. Isaï a bâti Nani. Isaï a accouché. Isaï a bâti David. Isaï a accouché David. David Oyaza, roi Moko ya Mouye Moko Israël. David était le roi puissant d'Israël. Donc Azaki roi parmi célèbres. Le roi célèbre David. En Israël. Tala. Moabite. Moabite. Tala aboti Obed. Elle a eu. Obed aboti
Isaïe. On peut être Aïe. Isaïe. Isaïe a dit David, le roi. Aïe. David, le roi de roi. Neko, roi à Moka Israël. Le roi de la vie d'Israël. Nous connaissons l'histoire. Mais ne pas suivre où elle était. Ça ne s'est pas arrêté là. Regardez la destinée, l'histoire d'une personne, comment ça change. Femme Oyo, Azaki, femme veuve. Elle était veuve. Elle est attachée à sa belle-mère. Elle a renoncé sa ville, son ville, tout abandonné. Ils avaient des mauvais dieux. Ils se prosternaient devant les mauvais dieux. Ils faisaient des mauvais sacrifices. Il a suivi les dieux. Naomi était servante de Dieu. Naomi était la servante de Dieu. Elle a fait l'alliance avec Naomi. Quand elle a fait entrer Dieu dans son problème, elle a fait l'alliance avec Dieu. Au chemin dans la lignée de David, Jésus-Christ est sorti. Jésus, le fils de David. Le fils de David, Jésus-Christ. Regardez l'histoire de Ruth. Elle devient ancêtre de Jésus. Elle ne peut pas chanter le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh. Entre dans le plan de Dieu. Dieu changera ton histoire. Alléluia. Alléluia. L'histoire de Ruth a changé. Naomi, oh, elle a dit qu'elle est malheureuse. Elle est devenue joyeuse. Une femme heureuse. Sa vieille est assurée. Alléluia. Elle devait arriver où? Et sa paix allait être où? Rit lui a dit, donc, place yo, okay, les gars, okay. Là où tu partiras, moi je partirai. Donc, place yo, là où la mort t'apportera, moi aussi je veux que la mort t'apportera. Elle savait que la mort, c'est seulement la mort qui devait leur faire. Mais ce qui couffe, et si la mort ne vient pas, quand je m'attacherai à toi, dis-toi, je m'attacherai à toi. Attache-toi à Jésus. Si tu t'attaches à Jésus, ça va passer. Les choses de ce monde passeront. Attache-toi à Jésus. Il est la parole qui te donnera la vie. Alléluia. 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 Ruth a renoncé à Nios. Ruth avait renoncé à tout. Alléluia. Le roi des rois. Il a suivi le roi des rois. Zambé la bisoire a des majuscules. Il s'écrit en D majuscules. Les gens Zambé a des minuscules. Ce n'est pas un Dieu de D minuscules. Mais autant pour commémoration, sauf comme Zambé, il faut faire attention. Quand tu parles, tu écris notre Dieu, il faut faire attention. Bon, mina, moi, dans ma Facebook. Et dans les Facebook. Quand on se dit combien on a minuscules. Tu écris un minuscule. La bisoire, ça, exactement. Mais notre. Attends, ça, la case à phrase. Même s'il est dans la phrase. On tient qu'un majuscule. Toujours un majuscule. Sauf comme un minuscule, il est on va parler écrire en minuscule parce que là ça devient un peu compliqué. Notre Dieu c'est un Dieu puissant. Alléluia. Comme lui n'existe pas et n'existera jamais. Il viendra d'où? Frère. Regardez ce que. Regardez l'histoire d'où ça vient. Hey! Non, il a sa façon d'être. Ah! Tu peux te dire. Oh, ça y est, moi la moussala. C'était une servante. Pour la raison, moi la moussala. C'est une bonne. Yoku toko yo matabe chelote. Tu ne peux pas monter, toi. Neko. Frère. Nzambe. Notre Dieu. Yabongo la ka. Il change. Mais yabongo anitse. Il ne peut pas changer. Akobo la histoire la vie na yo. Il peut changer. Akobo la histoire la vie na yo. Il peut changer l'histoire de ta vie. Mais nous attachons-nous. Mais nous attachons-nous. Comme Kamabana na ye. Attachons-nous à lui. Nye. Ruth était attachée à ses Jésus. Alléluia. 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 Si ton nom n'est pas encore connu, on va t'appeler. Tu verras, ce nom va changer un peu. Alléluia. Amen. Dieu s'y t'élève.
nyoso. Il va te lever en tout. Mais yo kanga makala na ye. Mais toi attache-toi. Kanga makala na ye. Attache-toi à lui. Ne regardons pas les choses. Nous avons parlé de vent que nous voyons. Prenons nos familles, nos enfants. Amenons-les dans les pieds des hommes. Il n'y a pas un autre endroit où on peut. Quelque part, Jésus ne te fait pas bon. Vraiment dans le main de Jésus-Christ. Il va te couvrir par son sang. Il va te couvrir sous ses ailes. De la poule même s'il pleut, il a ses enfants, il a fait être mouillé pour que ses enfants soient protégés. Même lui s'il est mouillé, mais les enfants qui sont mouillés peuvent mourir. Venons à Jésus. Il a un grand parapluie. Il a un grand parapluie. Si tu te caches là, même s'il y a la pluie, il y a le vent. Alléluia. 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 Amen. Amen. Marchons toujours dans la sanctification. Oh yeah. Sanctification. Il a mis le Saint-Esprit en nous. Mais pour que le Saint-Esprit en nous, tu dois bien marcher. Il ne peut pas venir habiter en toi s'il n'y a pas de bonnes choses là. Tout ça partout. On est des personnes. En voyant, quelqu'un peut t'appeler au téléphone. Mais on a eu grâce. Non, on a eu la grâce. Jésus est allé à la croix. Il n'était pas pécheur. Il acceptait d'être pécheur. Pour que toi tu reçoives le pardon. À tout moment que tu es au travail, un collègue peut t'énerver. Si tu reconnais que tu as mal agi, tu ne sais pas si Jésus peut revenir. Si Jésus le revient, il y a la mort aussi. N'attends pas les mercredis à l'intercession. Ou le dimanche comme on vient. Répands-toi à tout moment. Répands-toi à tout moment. Alléluia. Tout le temps. Osako. Au travail, tu te repens. Sanctifie-toi. Tu te sanctifies. Ce sont les signes que nous voyons. Les temps des temps de la fin. Trompette. La trompette va sonner. Et écoute-toi. Ça va te trouver où? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la bombe, il y a Ruth. Regardez la vie de Ruth. Nzambe a changé l'histoire là. Dieu a changé l'histoire. Biso pendant là Nzambe a changé l'histoire là. Dieu peut changer aussi. Toi qui capico. Persévère. Donc quand on m'attaque à Nzambe. Attention à ce grand Dieu. Nego Nzambe a zamoto te bo akosa. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est derrière ma parole. Il est derrière sa parole. Oh nous allons voir la Bible. Tout ce qu'il a dit dans sa parole. Dans la Bible. Il a compris. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus Christ. Na banzi le bandeli awa modérateur de cette histoire qui témoignage. Au début, si notre monde a plus à parler d'un témoignage. Par rapport à l'accident Salami. Par rapport aux accidents qui se viennent. Les gens qui sont en train de coup de fil qui a accident Salami et cela ils sont passés. Quand on a eu ce coup de fil qu'il y a eu un accident et qu'un fils est décédé, ça fait mal. Donc, quand tu as l'information, tu as vu dans le journal, dans le Facebook. Dans les infos, dans les Facebook. Et cela qui passe. Ça fait mal. Maintenant, la base de la vie n'a pas si à vous les gars. Moi, j'avais encore très mal doublement. Parce qu'il y a un moment où il y a eu un accident. Même pas deux semaines avant. Mon fils est né, venait de connaître un accident, même pas deux semaines avant. Accident grave quand on est passé là-bas. Presque le même accident grave quand eux ils ont fait. À ça il a Bruxelles. C'est à Bruxelles. Moutou quand est tombé, moutou qui panzale lui. Tout. Voiture déclassée donc déclassée. Mais Abima Ata nous sommes côté. Il est sorti sain et sauf. Même pas une gratinure. Nego, Nzambe toza ko bondela. Les dieux que nous prions. Ko bondela pour la bana pour protéger. Priez pour les enfants. Il est passé à la maison jeudi. On lui parlait des dieux. Dimanche on venait à l'église ko sambela. Dimanche on venait à l'église avec les amis prier. Marie mo ke na ba sport makam na bino me ko pesa tana tsa. Donnez aussi le temps à Dieu. To solo na yeki. Il est parti. Vendredi. Le vendredi. Vendredi, tu as dit la prière. On est en prière. Mais comme d'habitude, tu as fait. Comme on a l'habitude de faire. Sanda solo barabiso. Je ne parlais pas. Parlé bien un accident. Je vous ai parlé. Parlé bien un akoufa. Je vous ai parlé dans la mort. L'accident zoya maintenant, vous parlez bien un akoufa. L'accident vient, mais je vais vous épargner de la mort. Quand nous sommes solo barabiso, les gens sont à 3h sur 2h du matin. 3h que la prophétie sortait. Mais il y a cet accident, il y a la tumeur. Et le matin, il a fait un accident.
Regardez ce Dieu. Il y a ça derrière ma loi pour la prière. Il est derrière. Alors, il a mis sur la prière. Il nous a parlé de salami à épargner. L'accident a eu lieu et il a épargné. Épargné, bima et panzana. Tout était déjà déclassé. Mais abima a été écouté. Il est sorti sans gratitude. Si quoi, bah oh, bah ça, l'accident, bah tiki biso. Et nos enfants qui viennent de faire l'accident et celui qui est mort. Il y a l'équipe à mon ami. Il est dépassé quoi? Et ça va en boulot. Si c'est mon grâce. Neko, Zambe a son batte là. Dieu protège. Zambe a son bon moi. C'est Dieu et Dieu. Donc, bon de la rapport à la bise. Prions pour nos enfants. Prions pour nos familles. Zambe a son sang. Dieu agira. Y'a un tombeau là, genre. On a vu Jean. Les enfants partaient dans des fêtes. Mais tant que nous sommes à tout moment qu'ils rentraient. Il faisait des sacrifices. Ah, ça n'a pas pour rien. Il faisait pas il se disait que les enfants, quand ils vont dans des écoles partout, on ne connaît pas leur cœur. Quand les enfants partent à l'école et rentrent, dis merci à Dieu. C'est mal en un jour, vous ne savez pas combien on fait des accidents, ils sont morts. Regardez comment les enfants traversent le chemin. Tu te dis c'est Dieu qui protège. C'est Dieu. Celui qui a épargné mon fils de la mort. Aucune écriture. Mais si vous voyez la voiture, il ne pouvait pas sortir. Et quand j'ai eu la nouvelle, la deuxième nouvelle, j'ai eu mal au cœur. Nous devons nous attacher à Dieu. Même si elle a fatigue. Nous savons que nous travaillons dans la semaine. Hein. Ça t'arrive le dimanche que je récupère un peu. Nego. On nous a témoigné en ces lieux. Dans la journée, nous avons 24 heures. Dans ce temps, nous avons un dixième. Si nous enlevons seulement les un dixième de la journée, donc, et ça, 2h40. C'est 2h40. On peut le distribuer. Dans la journée, vous pouvez se répandre ça. Tu donnes ça à Dieu. Zambo, il aime seulement qu'on adore, qu'on le loue. Nous avons 7 jours de la semaine. Il est Dieu le créateur de toutes choses. Il a créé le monde. 6 jours. Le 7e jour. Il y a adorer. C'est ces jours que nous devons adorer. Moi, ce total, 2h30 que nous avons mis pour les cultes. De 13h à 15h30. De 13h à 15h30. Donc, tu vas dire après, un dixième de l'oubli. C'est seulement un dixième qu'on vient de parler. Il y a journée où il y a cette journée de dimanche. Pour venir dans la présence de Dieu. Donnez même le peu que Dieu. Il nous épargnera des choses de ces mondes. Ce que nous voyons. Zamba Zabien. Dieu est bon. Aligi Bisso. Il nous aime. Aligi Bisso. Il nous aime. Total c'est vous les moutez. Il ne faut pas lui montrer la faiblesse. Parce que l'accès est vous les mou. Si nous lui montrons la faiblesse, c'est la fatigue. C'est lui qui nous donne la faiblesse. Mais yemou alors, il peut oh baza ma faible va soutenir. Il nous dit encore que ceux qui sont forts soutiennent les faibles. Amen. Lui est le plus fort. Donc yemou t'a pu soutenir le sang coléka. Il peut nous soutenir plus. Quand tu es fatigué, tu regardes au-dessus. Nous C'est lui-même qui descend. Quand on adore, si on nous souffre, vois combien de gens adorent avec nous ensemble. Hein. On va changer notre façon d'adorer. Amen. Notre Dieu est bon.
Tolobiki nzambe oyo oyo sala Ruth oto béni femme de destinée. La Ruth la femme de destinée. Oyo a s'attaché qui na Naomi. Elle s'est attachée à Naomi. Na nzambe ya Naomi. Au Dieu de Naomi. Donc le message na nga lelo biso to kangama na nzambe. Le message que nous que je nous nzambe a kosala attachons-nous à ce grand Dieu. Dieu fera des grandes choses dans le monde. Le temps est mauvais, pollué. Le monde est pollué. On peut que ça casse. C'est cassé dans le pied de Dieu. L'après-midi d'aujourd'hui, je vais vous montrer Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre complément. On peut montrer les rois de ce monde. Ils passeront, ils mourront. Mais Jésus, ça prend. Il a accepté de mourir pour toi et moi. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite. Il est prêt à intercéder pour toi et moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, pas de bisous. Il dit encore. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je vous enverrai un bon ami. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Consolateur. Le Consolateur. Le Saint-Esprit à Zanabiso. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Zambé a pas mon avis sur la première. Que Dieu nous bénisse. Ta combra est son nom. Tu mettons ma bombe, 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 tu mettons ma